Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma méthode de multiplication du figuier grâce à des piscines à boutures. Allez, c'est parti! Depuis que j'ai démarré la multiplication du figuier, en 2005, j'ai testé plusieurs itinéraires, la bouture par trempage dans des bacs remplis d'eau, la bouture dans du sopalin humide, la bouture à l'étouffée dans des bouteilles en plastique et la bouture à l'étouffée dans un substrat en laine de coco. Ces différentes méthodes fonctionnent, mais elles sont inadaptées pour une multiplication à grande échelle. Pourquoi ? Parce qu'il faut manipuler plein de matériel, du substrat de laine de coco, des boîtes en plastique, des bouteilles en plastique, des pots de culture, etc. Parce que le suivi est trop chronophage, en raison de la surveillance constante et de l'arrosage individuel de chaque bouture. Et surtout, parce qu'il faut transplanter les branches racinées, ce qui demande un travail supplémentaire, traumatise les jeunes figuiers, retarde le développement du plant et réduit grandement le taux de succès. Dans le cadre de ma future installation comme pépiniériste, j'ai cherché une méthode qui permet d'effacer toutes ces contraintes. Le but est de produire facilement et rapidement au moins 500 figuiers chaque année en une seule opération. Voici le détail de la méthode de boutirage que j'ai mise au point. D'abord, l'installation des piscines à bouture. Les piscines à bouture sont fabriquées à partir de citernes IBC blanches de 1000 litres. Pour cela, j'utilise la partie supérieure de la citerne en découpant le plastique et la cage en fer juste au-dessous de la deuxième armature horizontale. Le bouchon de la citerne est étanchéifié avec un joint en 6K pour éviter tout risque de fuite.
La piscine à bouture est positionnée à mi-ombre. Idéalement, elle doit recevoir au maximum 4 à 6 heures de soleil direct par jour. Elle est posée sur un sol parfaitement horizontal, puis remplie d'environ 5 cm de petits graviers pour former une surface bien aplanie et bien de niveau. Pour cette opération, vous pouvez également utiliser du sable de rivière ou des billes d'argile expansées. Après cette étape, je remplis d'eau la piscine à bouture pour vérifier les niveaux et l'étanchéité. Je perce ensuite plusieurs trous d'évacuation, de sorte que l'eau ne puisse pas monter plus haut que 1,5 cm au-dessus des graviers. Je vérifie le bon écoulement des trop-pleins. J'ai installé ainsi 6 piscines à bouture sur environ 7 mètres carrés au nord de la maison. Deuxième étape, la mise en place des boutures. Pour préparer mes boutures, j'utilise des pots carrés de 15 par 15 cm qui font 20 cm de haut. Ces pots carrés, contrairement à des pots ronds, permettent d'optimiser la place à l'intérieur de la piscine. Il est important d'avoir des pots suffisamment hauts pour éviter tout risque de moisissure ou de pourriture des boutures par excès d'eau. Je peux faire 42 boutures par bac, soit au total 252 boutures en tout à chaque tournée. Les pots sont remplis d'un terreau de bonne qualité, bien tassé. Les boutures sont prélevées de début mai jusqu'à début septembre. Je débarrasse chaque bouture de toutes ses feuilles et de tous ses fruits en devenir. Je conserve tous les bourgeons en veillant à ne pas les abîmer. Elles font environ 20 cm de longueur. Si les boutures sont sales, terre, lichen, mousse verte, pollution, etc., il peut être intéressant de les nettoyer avec une éponge humidifiée avec de l'alcool ménagé à 70 degrés pour limiter le risque de développement des moisissures. Pour protéger les boutures de la déshydratation, j'utilise de la bande parafilm. Le parafilm est un ruban plastique étirable à 200% qui est étanche à l'eau. Contrairement à d'autres films plastiques, il est respirant. Le parafilm est utilisé dans les laboratoires pour boucher les flacons et les tubes à essai. Vous pouvez vous procurer ce type de film plastique en suivant le lien figurant dans le descriptif sous cette vidéo. Un gros rouleau vous permet de réaliser des centaines de boutures.
Généralement, je commande des gros rouleaux d'une largeur de 5 cm que je redécoupe en deux dans le sens de la longueur pour éviter le gaspillage. La moitié supérieure de chaque bouture est enroulée dans du parafilm un peu étiré. Il faut que le bois soit entièrement recouvert de parafilm pour empêcher toute sortie d'humidité de la bouture par la partie aérienne. Sur la partie inférieure de la bouture, je gratte l'écorce à proximité de chaque cicatrice foliaire pour mettre à nu le bois vert situé sous la première écorce. C'est à proximité de ces cicatrices que sortiront la majorité des racines. J'applique ensuite au pinceau un gel d'hormone de bouturage. Ce gel permet d'obtenir un enracinement beaucoup plus rapide. Avec cette hormone, on gagne environ 3 semaines sur le délai d'enracinement des boutures de figuier. Je vous mets un lien dans le descriptif vers le produit que j'utilise. J'indique la variété sur le pot grâce à un stylo feutre blanc indélébile. Les boutures sont positionnées dans la moitié supérieure des pots et enterrées sur 10 cm. Et ensuite, je range le pot dans la piscine. Troisième étape, le suivi des boutures. Les figuiers sont alimentés en eau par effet de mèche, sans aucun excès ni aucun manque. La présence constante d'oxygène et d'eau à proximité du bois enterré accélère le processus et réduit le risque de faire mourir vos boutures par excès ou par manque d'eau. Dès que l'eau descend au-dessous du niveau des graviers, il est temps de refaire le niveau, ce qui ne me prend que 5 minutes tous les 3 jours.
Au bout de 3 semaines à 1 mois et demi, les premières feuilles vont facilement percer le parafilm et les premières racines vont commencer à sortir. Au bout de 8 à 12 semaines, dès que le feuillage est correctement développé, je sors les boutures de la piscine et je poursuis leur culture à un autre endroit dans le jardin. Cette méthode fonctionne bien à condition que la température soit régulièrement supérieure à 20 degrés. C'est pourquoi, entre début mai et fin octobre, il est possible de faire 2 tournées de boutures avec ce système sans aucune serre dans la moitié sud de la France. Si les piscines sont installées sous serre, une 3e tournée est parfaitement envisageable dans la même saison de culture en démarrant plus tôt, début avril. Le seul inconvénient de ce système est qu'il favorise les attaques de limaces qui aiment beaucoup les jeunes feuilles de figuier. Pour limiter ce problème, j'applique un anti-limace bio en granulé de type Feramol de façon préventive dès que les feuilles commencent à percer le parafilm. Je renouvelle le traitement anti-limace dès que nécessaire. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions d'amélioration de mon système, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Si vous aimez mes contenus, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour être sûr de ne rien rater. Si vous souhaitez soutenir ma production de vidéos et me poser toutes vos questions, vous pouvez également vous abonner à ma page Patreon. Le lien figure dans le descriptif. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir !